Bonjour les amis, voilà pour vous la dernière minute du quintet du jeudi 8 août 2024 à Enghien, Réunion 7, près de la porte d'Italie. Jamain de Brion, le rachat. Le 3, après avoir fait belle impression dans le semi-classique prix Jean Legault Nidec, on attendait mieux de Jamain de Brion pour ses débuts à Enghien, mais elle s'est lancée au galop. L'autostar est un mode de départ qui lui convient et devrait lui permettre de partir sur la bonne jambe. Son bon numéro et sa vitesse de base devraient lui permettre d'épingler cette course largement à sa portée. Le 3. Savoir-faire. La dernière minute. Joyce le 10. Les repérés. La pyramide des chances. Le spécialiste. Le chiffre 89%. Voilà, on continue. Voilà, mes amis. La dernière minute, le 10. Joyce. Sa dernière victoire a été décrochée sur un parcours de vitesse. Sa course de rentrée lui était nécessaire et elle évolue en plein dans sa catégorie. Il fait partie des priorités pour les places et devra être reprise. Dernière minute, le 10. La pyramide des chances, les bases 3, 8, 9. Les chances régulières 11. 10, 2, 7, 4. Les outsiders, 12, 6, 14. Les gros lots, 5, 13. Les abandonnés, le 1. Repéré dans les jumelles, le 7. Indusval, le 27-2024. Repéré dans les jumelles, le 7. Le chiffre, 89%, 3 victoires et 5 places en 9 sorties pour Indus Duval, le 7. Lorsqu'elle a été confiée à Pierre-Yves Vervin, un nouveau bon classement est espéré. 4 victoires et une place en 7 sorties à Enghien pour la Sainte. Déjà, le 1. Le spécialiste, le 1. Le spécialiste, le 1. Voilà le pronostic de Paris Turf, notre pronostic par Cédric Bloquet. 3, 8, 9, 7, 11, 2, 12, 10. Chance régulière 4, 6, 14, outsider 13, 5, As. Dans le creux de l'oreille, l'outsider séduisant le 7. Voilà la sélection 3, 9, 8, 7, 2, 12, 11, 4. La sélection de Paris Turf, confidentielle de piste, repérée pour vous, repérée dans les jumelles le 7, le spécialiste le 9, la découverte le 10. Les meilleurs chronos sur le parcours, le 9, meilleur chrono, une 12. Le 12 et le 13, deuxième meilleur chrono, une 13. Le grand écart, les pensionnaires de Jonathan Van Merbeek traversent une mauvaise passe dans les quintets. Ils n'ont pu participer à l'arrivée des 12 derniers auxquels ils ont pris part. En effet, il faut remonter au 2 décembre 2023 à Vincennes pour voir un de ses élèves dans le coup. Ce jour, il présente Hyacinthe Didier. Didjap, je pense le 1, ou bien le 2, je vais voir. C'est le 2.
Donc, c'est le 2. Donc ici, 4 victoires et une place en 7 sorciers à un gain pour la sainte du diable. Le 2, c'est pas le 1. Le spécialiste, le 2. Le 2, une erreur ici. Mes amis, ici, une erreur. Le spécialiste, la sainte du diable, c'est le 2, c'est pas le 1. Une erreur de frappe. Alors, on continue. Donc, le grand écart, c'est le 2, performant à un gain. Restons sur un succès, mais pas sur les courtes distances. Sur 2200 mètres au moins. À suivre. Donc, c'est le 2. Info Express, ça marche. Voilà, vous allez lire ce truc-là. L'engagement, bizarrerie. Du jamais vu. 0% de réussite pour les numéros 12 et 13. Just for Lova, jongleuse de lune. Meilleur chrono, le 9. 12, 13. Voilà, l'outsider le 11. Notre coup de cœur le 2. Stat Gazette 3, 8, 9, 11. La dernière minute le 12. Âgé de 5 ans, Just for Lova. A couru face au meilleur de sa génération, avec notamment une deuxième place, dont le prix Albert Vielle. Le coup de folie, le 8, très estimé par son entourage dès son plus jeune âge. L'analyse perf. Voilà. La forme, place cumulée lors des trois dernières courses, parcours, aptitude au tracé. La confiance, moyenne des trois dernières côtes. Combativité, chevaux battus lors de leurs trois dernières courses. Le 11, le 2, le 7, le 3, le 8, le 9, le 12. La logique, le 3, l'introuvable, le 10, l'outsider, le 11. Le panier de génie, voilà, Jamin de Brion est bien engagé, le 3. Voilà la base, 3, 8, 9, 11. Première chance, 7, 2, 12, 6. Seconde chance, 14, 5, 13, 4, 10. Gros outsider, le 1. Le passé de la course, le voilà. Le premier, le grand favori, 2,1. Le deuxième, deuxième favori. 2022, le grand favori, à égal, en tête. 2021, le grand favori en tête, le deuxième favori, cinquième. Ici, en 2022, ce qui fait le grand favori, le sélectionné, à ne pas lâcher. Il faut le jouer, quand même. Le grand favori, le sélectionné. Je pense que c'est le 3. Voilà le résultat de l'analyse. Le 3 sur sa lancée, le 8 au top actuellement, le 9 peut répéter, le 2 se plaît à un gain, le 7 régulier, le 6 méfiance, le 11 à ne pas négliger, le 10 du mieux. Voilà les repérés sur les pistes, le 7, le 8. Le tuyau, les chaleurs d'entraînement, le tuyau, Jabalpur a travaillé régulièrement et qu'il est prêt. Il a très bien gagné derrière l'Autostar pour sa première fois à la maison. Le prono des pistes, 9, 3, 7, 2, 4, 6. On a un clin d'œil du pour, du contre. Voilà le favori de 12. Bon favori 3, 8, 9. On baisse. On hausse. Stable. Petite chance. Voilà les favoris battus, 3, 4, 11. 3 favoris battus. 3 favoris battus. Les meilleurs couples. La forme saisonnière 2, 11, 12, 13, les déférés, des postérieurs des 4. Les 8 derniers résultats des favoris de la presse, trop. Voilà le classement, le premier le 3, le deuxième le 8, le troisième le 9, le quatrième le 2, le cinquième le 7, le sixième le 11.
le 7e le 12, le 8e le 10, le 9e le 6, le 10e le 4. Voilà le pronom unique, le 3 base, le 8 base, le 9 tuyau, le 12 coup de poker, le 2, le 7, le 10, le 11. En cas de non-partant, le 4, le regret, le 6. Les meilleurs outsiders, 14. Pour toucher le gros lot, 5, 13. Abandonner, le 1. Voilà les bases, multi 5. Les bases 3, 8, on leur associe le 9, le 12, le 2, le 7, le 11, le 10, le 4, le 6, le 14. Bonne chance les amis, à la prochaine vidéo avec d'autres journaux.